bientôt les 1300 derniers mètres. On est en pleine direction la montée à présent, avec toujours Elios Dinsoir qui commence à mettre un peu de rythme dans cette course. À deux longueurs, il y a Clara Dessart qui a réussi à se rabattre le long de la corde. Ivoraki est troisième. Jacques de Belloué vient maintenant né au vent. Que va faire Mathieu Abrivard? Avec Jacques de Belloué, eh bien, il vient progressivement, il ne lance pas totalement son partenaire. Allez, on va accélérer de plus en plus. Et Jean-Michel Bazir essaie de trouver son salut dans la fuite. Il se détache maintenant avec Elios Dinsoir. C'est l'un des plus anciens de l'épreuve. Il a 9 ans. Elios Dinsoir qui a l'avantage devant Clara Dessart, Jacques de Belloué, Gérard Généro, Ivoraki un peu sollicité. On vient de passer le poteau des 1000 mètres. On est derrière le petit bois, bientôt le haut de la montée. Elios Dinsoir qui va de plus en plus vite. En deuxième position, Clara Dessart, Jacques de Belloué très facilement. Troisième position et même deuxième maintenant. Ivoraki est sollicité. Gérard Généro essaie de s'accrocher avec Nathalie Henry qui semble avoir encore un peu de gaz. Bientôt le dernier tournant. Jean-Michel Bazir tente le tout pour le tout avec Elios Dinsoir. Mais Jacques de Belloué, impressionnant, vient facilement en deuxième position. La troisième place pour Clara Dessart devant Ivoraki, mais aussi Gérard Généro. Le dernier tournant avec toujours Jean-Michel Bazir et Mathieu Abrivard aux deux premières places. Jacques de Belloué qui passe à l'attaque maintenant. Ça va être superbe là, parce que le match a lieu encore pratiquement à 400 mètres du poteau. La ligne droite va être belle, mais on sent vraiment Jacques de Belloué au-dessus de la mêlée. Elios Dinsoir est courageux. Ensuite, il y a Gérard Généro. Clara Dessart a du mal, elle est quatrième, ça va être dur. Et puis Andy Dujon qui revient avec Ivoraki, l'entrée de la ligne droite. Imparable Jacques de Belloué, super Jacques de Belloué, le vainqueur du prix, le Cordelier qui s'envole vers la victoire sans problème. En deuxième position, Elios Dinsoir. La troisième place pour Gérka de Janeiro. Il est impressionnant, il gagne contre ses enfants aujourd'hui. C'est un super champion, c'est Jacques de Belloué, regardez-le. Il s'impose comme à la parade. Victoire du pensionnaire de Christophe Gallier, Jacques de Belloué. Deuxième place pour l'excellent Elios Dinsoir. Il a 9 ans, il est très bon deuxième dans cette course, très relevé. Et troisième place pour Gérka de Janeiro. Victoire donc de Jacques de Belloué, c'est impressionnant ce que ce cheval est capable de faire. Il avait déjà gagné pratiquement à la sortie du dernier tournant, comme vous vous êtes rendu compte de la situation. Les œillères n'ont pas été rabattues, le bonnet n'a pas été enlevé. Là, je crois que si jamais il ne lui arrive rien, et c'est bien évidemment ce que nous souhaitons, il peut encore avoir de très très beaux jours devant lui dans les mois qui viennent. Tant sa supériorité est manifeste, il n'avait pas besoin d'être à 100% pour dominer. Vous avez vu, les artifices n'ont pas eu besoin d'être utilisés. Je peux vous dire en plus que quand il va être déféré des quatre pieds, ce n'est jamais le même. Il a été impressionnant. Un cheval lui a tenu une belle dragée. Il s'agit de l'As, Elios Dinsoir. Ah, vous avez vu, Pierre, un peu, vous aviez bien vu. Ouais, c'est vrai, le cheval court très très.